Ouais, je regarde. Hop. Je peux pas faire un massage à une plaie. Oh mon dieu. Le drama avec ton... Ah oui. Ok. Alors, on débloque la chaise. Ah oui, quand tu dis tu caches la cam, en fait, ça t'enlève carrément la cam sur... Voilà. Et j'ai mis le magnifique t-shirt qu'on m'a offert. Ok. Et j'ai un superbe dessin de... De quoi? Rémorède. Hein? Rémorède. Oui, Rémorède. Rémorède. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Hop. J'enregistre, hein, bien sûr. Non. T'as fait 15,19 km. 15,19 km. Donc voilà, ça reste correct. C'est plus de 15 km. Quand on met du sel sur la plaque, hein, c'est bon. J'en ai assez. Ok. Bon. Rémorède. Bon, par contre, hop, après je me fais engueuler sur Aventure parce que le micro il est mal mis. Voilà. Non, en plus je me fais pas engueuler, hein, c'est juste Nico qui me fait une remarque, il a bien raison de le faire. Ok, on est bon. Fais mieux voir le t-shirt. I'm just here for the Pokémon. Vous voyez pas Pokémon en bas. Ken qui ne connaît pas Rémorède, le scandale. Alors, qu'est-ce que tu as fait de mon son? Il est là, hop. Hop, là je devrais récupérer la musique de fond, comme ça je peux entendre ce que vous écoutez. Qu'est-ce que tu t'es fait, Crane? J'ai pas suivi. Bon, ça fait déjà un petit moment, mais j'avais eu un traitement pour. Mais j'ai des... sur le côté des cuisses, les côtés qui frottent sur le pantalon, j'ai des plaies. Et les plaies, elles font que grandir. Et je pensais que c'était juste un peu rouge tout ça, et là bah, c'est ouvert, il y a des taches de sang, ça fait à peu près 15 cm sur 5 cm avec de l'endroit où il manque de la peau, sur les deux côtés, sur les deux cuisses. Et ça a un côté un peu comme si c'était nécrosé. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'inquiète, ça ne guérit pas, ça empire, peut-être qu'il faudrait que je m'inquiète. Et là je le sentais, hein, quand je marchais sur la fin, je me disais, ça commence à faire quand même sacrément mal, hein. Non, je vais pas montrer mes jambes parce que c'est très très moche. Et voilà. Non, mais je vais pas vous montrer. Va voir un docteur. Mais le problème, c'est que le docteur, il a cru que c'était de l'eczéma. Et il m'a donné déjà un truc que je supporte assez mal en pommade du... alors, comment ça s'appelle ce truc? Un corticoïde ou je sais pas quoi. Et le truc, c'est que c'est marqué ne pas mettre sur des plaies ou des trucs comme ça. Mais moi, c'est ma peau qui se barre carrément. Donc peut-être que... Je sais pas pourquoi il m'a donné ça. Mais après, les médecins sont pas dermatos. Donc ils regardent vite fait, ils croient que c'est un truc. Et la peau, c'est un truc encore totalement différent, quoi. Tu portes des vêtements en dessous, ça aidera peut-être. Non, mais c'est... Je viens de finir la rediff du live d'aventure. Bob a raison pour les théories du live rediff d'aventure. Que t'es un traître, il manipule tout le monde depuis le début. Que Théo est un traître. Ah oui, parce que moi, le raisonnement de Bob Lennon comme quoi Théo, d'accord. Je sais pas, vous partez là-dessus. T'es vraiment un mental d'acier, Crane, mais fais attention. Crane change de pantalon. Crane, fais voir, je veux bien. Non, ça arrivera pas. Crane qui souffre pour ses viewers. Oui, j'ai des problèmes de circulation et c'est marrant que tu dis ça parce que là, par exemple, je sens plus mon petit doigt depuis un peu avant que je fasse les achats. Donc j'ai plus de trucs dans le petit doigt. Non, mais je suis vraiment cassé, hein. Faut savoir que moi j'ai des gros problèmes de santé à côté. Je suis handicapé à 50%, des trucs comme ça, mais ça m'empêche pas d'avancer très très bien dans la vie. C'est juste des dérèglements. En plus, moi j'ai de la chance parce que même problèmes de santé, ils ont quasiment aucun impact. Ça m'empêche juste de dormir, des problèmes de circulation, des problèmes de cœur, des trucs comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, bah, je peux tout faire sans plus de difficultés que ça si je fais attention. Donc j'ai quand même beaucoup de chance. Et c'est juste que bah, quand j'ai des trucs qui partent en couille, ça part plus facilement en couille. Je suis désolé, tu as la tu te décomposes, c'est ça. Tu es allergique au pantalon. Mais je pense que c'est ça, hein, Faut surtout que t'arrêtes de faire 15 bonnes par jour avec des jeans, mais des bas souples comme des joggings. Mais je pense aussi que c'est le poids, hein, c'est le frottement, c'est tout ça. Oui, le rendez-vous chez le dermato, on m'a dit c'est des mois et des mois, donc... Mets du poivre, ok.
faut absolument que tu laisses respirer cette blessure, crée une à l'air libre après avoir nettoyé. Ok, ok. Falloir te balader en caleçon pour les prochains lives. Non mais si en plus je sors avec le setup en caleçon, on est foutu. C'est moche des dieux, t'as vu ça? C'est le phénomène de Reno pour le noix crane, ma sœur, sache que n'est bien. Je sais pas ce que c'est. Mets entre nous tes jambes et ensuite live cuisine. Tu m'ukraine, c'est l'adolescence, ce serait bien. Je voudrais changer de peau. Donnez-moi une nouvelle, s'il vous plaît. Ah, la cortisane, oui, ça doit être ça, oui, c'est ça. Maudit dans ta famille ou pas, Créla, ou c'est une amie? Bah, c'est ma compagne. Je sais pas, donc oui, c'est ma famille maintenant. Et un dindon de Hell Season, tiens, pour le Mercurochrome, premier don, mais avec le cœur, continue comme ça, on sait que t'es le big boss dans l'aventure aussi. Oh non. Oh non, je subis dans l'aventure, si tu savais. Tu peux simplement aller au privé, n'attends pas 2 ans pour un rendez-vous. Comment ça? Ah, d'accord, ok. Sinon, pense surtout à laver les plaies avec du savon pour éviter l'infection, puis petit coup de bétadine rouge, je crois que j'en ai en plus. Vite, un sort de 1. Après, Crane est handicapé à 50%, ne signifie rien. Mon père est 80, greffe plus dialyse, et il vit très bien quand même. Oui, voilà. Ouais, voilà, donc on est d'accord, c'est bien ce que je dis. Hein, ça, pour moi, ça... Un fuseau court pour tes futurs lives, c'est génial, sous un jean. C'est contre les frottements et ça respire. Ok. Ça fait quoi d'avoir 1600 personnes en même temps qui s'inquiètent et veulent te chouchouter? Bah ça m'embête parce que j'aimerais vous parler d'autre chose quand même. Mais bon, c'est... Bon, je suis assez nature, donc c'est vrai que des fois je partage trop de choses. Mais c'est aussi ce qui fait que bah, je me sens bien sur mon live parce que si j'ai envie de vous raconter des trucs, je vous les raconte. Mais juste, j'aimerais retrouver le sang dans mon doigt, s'il vous plaît. Rendez-moi mon doigt! T'as les mains rouges quand il fait froid, j'en ai absolument aucune idée. Mais j'en ai discuté avec mon médecin et il m'a dit, non, ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Oui, si les personnes ont une meilleure circulation, ça fait ci ou ça fait ça, c'est différent pour chaque individu. Quand bon, et tu évolues, c'est pour ça que tu perds ta peau, c'est ça. Ah, merci, Groa. C'est très très gentil, j'irai voir ça. J'irai voir ça. Alors, j'irai voir mes MP. Ah bah c'est très gentil. C'est très gentil. Hein. C'est au fouloir. C'est toi au fouloir? Mais c'est pas au fouloir qu'on a parlé là. Et j'ai peut-être plusieurs personnes qui pourront m'aider. On verra. On verra, on verra. Mais bon, pourquoi rien n'est simple? Pourquoi rien n'est simple? Ah bah côté tes live Pokémon Go jusqu'à ce que tu sois guéri. J'en fais pas demain. Vous inquiétez pas, j'en fais pas demain. Je peux désinfecter la bétadine, laisser à l'air. Faudra que je vois si j'en ai encore. La bétadine que j'ai utilisée pour mon opération, c'était quand l'opération pour la tête, là, c'était il y a quelques mois. J'ai refermé le truc, je peux encore la réutiliser. C'est pas t'ouvre un truc de bétadine, il faut l'utiliser rapidement. Pour te réconforter dans la mage TCGO, il y a un booster gratuit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la mage. Il y a eu la mage, ça c'est cool. Je lance le jeu en même temps. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a planté? Ah, mon curseur de souris se déplace tout seul. Il est possédé. C'est quoi le prochain objectif Pokémon Go? Augmenter le Pokédex, quoi. Il y a un dindon de Rome 11560 pour tes plaies. Utilise une plante d'aloe vera, ça fait des miracles sur tout ce qui est plaies, brûlures, piqûres, irritation, boutons, eczéma. J'aime bien l'aloe en plus. Ce genre de truc que j'ai tendance à utiliser. Merci beaucoup pour le dindon. Et oui, Quentin. C'est encore un coup de sanguinis. D'accord, Carpsolem. Mais c'est marrant, hein, ce petit doigt qui... Je sais pas. Tu fais du Pokémon ce soir, je pense que c'est une bonne idée d'y aller tout de suite.
Sinon, j'ai la solution avec ces outils de mon boulot pour la circulation sanguine. Je coupe le coup de taser, ça aide bien. J'avais la jambe qui circulait bien le reste de la frame. C'est du vrai derrière ou un fond vert parce que la bibliothèque est impressionnante. Alors, c'est ma bibliothèque, mais c'est ma bibliothèque dans mon salon. Donc ça, c'est un fond vert d'une photo de mon salon. Et je trouve ça concept et j'aime beaucoup. J'ai pas essayé Silphone. Fais plutôt le jeu de cartes, Cri. Bah oui, mais il veut pas se lancer, donc je ne sais pas pourquoi. Ça se lance. Vérification de la mise à jour, s'il vous plaît, patientez. Ah non, c'est bon, là, ça plante pas. Ça plante pas. Donc j'étais en train de demander s'il y avait le mélangeur de volume. Hop, voilà, on coupe le son. Vous, vous voyez rien, mais c'est normal. Je peux mettre là, ça sur le côté ici. Ça, comme ça. En tout cas, pour moi qui reviens juste de vacances, ça me fait fort plaisir de voir que tes lives sur Pokémon Go aient eu un bon succès créé. Oui, parce que la hype est pas mal tombée. On est en plein milieu de semaine. On a quand même dépassé les 2000 personnes ce soir. Moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça absolument énorme. Tu as pu regarder vite fait par rapport à l'usurpation de Crane Stream tout à l'heure. Non, j'ai envoyé un message, mais je pense que c'était juste quelqu'un qui trollait, donc c'est pas très très grave. Je sais pas ce que c'est, des problèmes thrombotiques. Ça périme au bout d'un moment, vérifie la date si... Oui, d'accord, ok, je regarderai. Crane fait un looping. Vous possédez des produits dans votre association qui peuvent être ouverts maintenant. Ah, ils m'ont offert donc un booster... Offensive Vapeur. Ninja Boy 1, expansion has been turned to release super new pending a bug fix. Look for Ninja Boy to be re-enabled after a coming update. Je sais pas ce que c'est Ninja Boy. Ok. J'essaye de lancer un sujet, donc que vas-tu faire pendant tes vacances? Mais j'ai pas de vacances. Jamais. Ne n'est pas que n'importe quel traitement à Crane, ça risque d'empirer la situation. Oui, ça peut être vrai aussi. Un mois après, ouverture, la bétadine, après poubelle. Ah bah voilà, donc du coup je peux pas l'utiliser. Pour dire un truc, pour une fois, si tu remarches avant que ce soit cicatrisé, tu peux mettre de la gaz et spardra dessus pour éviter les frottements. Pour l'aloe, sois prudent, ça aggrave les brûlures, testé, approuvé. Ah d'accord. Crane, peu importe le malheur qui t'arrive, t'as toujours le sourire. Merci pour tout ce que tu partages sur ce stream, ça fait vraiment plaisir. Bah, j'ai appris une chose depuis que je suis tout petit, c'est que malgré les difficultés que t'as, t'essayes de faire au mieux avec ce que t'as. Et c'est bien, mais de temps en temps, ce serait bien d'avoir un petit peu de chance quand même. Ce serait bien. Enfin, j'ai la chance de vous avoir, donc en fait, j'ai déjà beaucoup de chance. La collecte a été bonne aujourd'hui de Pokémon. Bah, mon objectif c'était plus 2 au Pokédex, donc de passer de 110 à 112. Et je suis passé de 110 à 113, donc j'ai fait mieux que ce que je pensais. Après, comme je disais, je suis un tout petit peu déçu de ne pas avoir réussi à capturer, que ce soit des captures vraiment qui soient décisives, tout ça. Là maintenant, c'est les œufs, c'est choper des bonbons. C'est un peu moins. Pas fun parce que ça reste fun, mais un peu moins sexy. Pas. Comment dire ? Motivant, un petit peu moins motivant. D'accord, Azazel. Vu les MP que j'ai reçus, c'était pas juste un troll Crane, c'était quelqu'un de vraiment méchant. D'accord, bon bah je sais pas du tout si elle. Alors attends. Non, il m'a pas répondu. Ok. Je regarde mes messages Skype en même temps, voir si j'avais eu la réponse de Twitch. Mais non. Par contre, je sais vraiment pas pourquoi il y a des gens qui s'en prennent à ce stream. Hein, parce que je suis plutôt gentil, la communauté est plutôt gentille. Je comprendrai jamais, mais d'accord. Pourquoi parce que justement, je suis gentil, ils veulent m'embêter moi, je sais pas. C'est possible techniquement de mettre une vidéo sur ton fond vert? Oui, c'est tout à fait possible, dit le Melko. Tout à fait possible. Non, ça va, Absalom. Après, un dual stream, je voulais en faire avec Atto, donc à voir. Après, elle a une vraie chaise, là, mais elle a un autre... Le truc, c'est qu'on n'arrive pas à mettre le fond vert sur l'autre. Je sais pas comment elle peut avoir mal au dos sur cette chaise. Je sais pas si elle met mal le petit coussin pour les lombaires ou autre, parce que même en étant plus petit, elle peut baisser le coussin. Je sais pas du tout. Faudrait que je regarde comment elle s'assoit. Moi non, mais dans ma famille oui, Daxounet. Mais c'est puissant pour la cicatrisation, mais c'est pas très vegan. Donc non. Non, tu as les feuilles de fraisier, les bois, mais c'est dur à trouver en ville. Mm-hmm. Il te fait envie le sac de Kamak. Bah, ça avait l'air bien quand même. Hein. Ça avait l'air beaucoup beaucoup plus pratique. Hein.
Ça avait l'air incomparable avec ce que je porte. Hein. Au niveau des sports, tu peux tout pratiquer. Non, je peux pas tout pratiquer. Crois-moi, tu transpires tellement, tu brilles. Non, mais je transpire pas en fait là. Là, il n'y a pas de transpiration. Si vous regardez bien, vous verrez pas de transpiration. Hein. C'est la crème ou je sais pas, je brille. Quand une petite question, passes-tu sur Grenoble de temps en temps? Jamais. Non, mais j'y suis passé deux fois dans ma vie, je crois. D'accord, Nero X-Burn. Mais non, ça ira. J'aimerais bien récupérer le mien. Oui, Xeota. Tu vas attester Albi Online. Il a été ban, Crane. Je viens de regarder vite fait. D'accord, ok, merci. Crane Live, c'est juste pour les vues. C'est pas par rapport à toi ou à la commu. C'est juste que ton concept fonctionne. De quoi tu veux dire, Gwenaël? Crane, simplement parce que tu étais... Bah, c'est sûr que si je fais un stream avec quelqu'un, c'est parce que je connais la personne, que j'aime bien cette personne et que j'ai envie de faire des choses avec elle. Donc, c'est pas parce que quelqu'un propose dans un stream, ah, tiens, je vais faire telle chose avec telle personne. Si on se connaît pas... Voilà, il faut qu'il y ait des affinités. Bonne nuit, Siran. J'ai pas vu Suicide Squad, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Tu fais la prochaine fois, fais les pauses tous les 5 km. Non, mais j'ai fait plein de pauses aujourd'hui. Il y a plein de moments où je me suis assis. Il y a 2 ans, je fais un voyage Paris-Montpellier à pied et te voir faire du Pokémon Go, ça me donne envie de repartir à l'aventure. Pourquoi en profiter pour faire quelque chose de créatif? Pourquoi pas en profiter pour faire quelque chose de créatif, vidéo, stream? Aurais-tu des conseils ou un petit mot d'encouragement pour un fan? Déjà, c'est une bonne motivation, je trouve. Et moi, j'aime bien les vlogs. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan des vlogs, mais le problème des vlogs, c'est que c'est pas intéressant parce que c'est mal monté dans 90% du temps. Mais un vlog bien monté une personne qui parle pas sur un truc fixe tout le temps, des changements de plan, vraiment du rythme dans le montage, ça, je trouve ça hyper intéressant. Ton interrogation, c'est pourquoi les gens bêtes font des choses stupides. Perso, j'ai abandonné l'espoir de pouvoir répondre à ça il y a longtemps. Salut Caltrade. Non mais sérieusement, moi je comprends pas ma vie hein, des fois. Donc ok, j'ai la chance d'avoir réussi à mettre un pied dans ce milieu. J'ai bossé comme un taré, je continue de bosser plus que de raison, mais j'adore ce que je fais, donc aucun problème avec moi pour ça. J'ai énormément de chance parce que j'ai une communauté qui me suit, j'ai une communauté qui m'aide. On a réussi à avoir pas mal de visibilité par rapport à ça. Par contre, à côté, j'achète des PC qui ne fonctionnent pas. Il est là, il est posé juste à côté, il ne fonctionne toujours pas. La télé, j'étais obligé de la changer. Des problèmes sur le frigo qui tombe en panne. Le téléphone qui déconne. Et là encore aujourd'hui, le téléphone a complètement freeze. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé alors qu'il est tout neuf. Les boîtiers 4G que je dois changer. Tous les partenariats où personne ne prend le temps de me répondre ou de quoi que ce soit. C'est difficile. C'est difficile de... C'est pas parce que je suis parano qu'ils m'en veulent pas tous. Voilà, c'est difficile au bout d'un moment de se dire... Et en plus, au niveau santé, c'est la merde. Facilitez-moi... Ben, je crache. Facilitez-moi la vie à un moment, s'il vous plaît. À un moment, toi qui me regardes là-haut, qui n'existe peut-être pas, je n'en sais rien. Facilite-moi la vie. Fais un truc qui fait qu'il y a quelque chose que j'entreprends qui se passe facilement. Est-ce que j'ai besoin de rentrer chez moi et de me rendre compte que j'ai du sang sur les jambes? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est déjà assez chiant à côté. C'est déjà assez chiant. S'il vous plaît. Je craque, je suis au bord du... Salut, Autroc Production. Je suis à combien de retard? 3 minutes. Bon, attendez, je vais descendre. Hein, voilà. Bon, il y avait quasiment rien en fait. Tu as prévu de faire un nouveau live avec Usul? Bon, moi j'aimerais bien s'il est dispo à l'occasion, mais on n'a pas prévu de quoi que ce soit pour le moment. J'ai mis les mots des plaies intérieures jambes et c'est pas très beau à voir. J'espère que c'est pas ce que tu as. C'est pas très beau à voir ce que j'ai. Hein, donc j'espère que j'ai pas envie de voir parce que voilà. Non mais il y a des explications pour tout. Hein. Mais ce qui est triste, c'est qu'il y a deux PC. Il y a deux PC, il y a 3 PC ici qui ne fonctionnent pas, 2 qui sont neufs. Et les deux PC, j'en suis rendu à un tel point que c'est l'investissement le plus gros de ma vie. Je n'ai jamais mis autant d'argent dans quelque chose que ces ordinateurs. Jamais. C'est mon plus gros achat. C'est le truc où ça fait 2 ans que j'ai des sous sur le côté pour le stream. Jamais j'ai mis autant d'argent
Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pas un achat que je fais comme ça tous les jours. C'est quelque chose qui m'a demandé de la réflexion, qui a été un investissement pour moi. Et j'en suis rendu à un tel point que ça fait des jours qu'il est posé à côté et que je sais pas quoi en faire. Et que je peux pas l'utiliser et qu'il y en a un autre dans le salon et que c'est pareil. C'est... Je suis rendu à tel point que voilà, que... Je sais pas quoi faire. Et Troc Productions, Troc Productions qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté de dindons, des bisous et bim le resub. Et je vais faire un truc que je ne fais pas depuis longtemps, je vais te donner ton mot. Ton mot à toi, c'est... Ça marche pas. Nouveau mot, connexion. Ça non plus, ça fonctionne pas. Le site internet. Bon, j'ai essayé de quitter la page, de la relancer. Ok, bon bah voilà. Voilà, t'auras pas de nouveaux mots parce que je trouve que ça va très très bien avec la conversation qu'on a maintenant. Ce site est inaccessible. Parfait, parfait. LDLC peut pas régler tes soucis ou t'as trouvé du moins. Mon pote m'a dit ramène, on renvoie le pros, on renvoie la carte mère. Mais voilà, je l'ai acheté il y a combien de temps ce PC? Vous rendez-vous compte que j'ai pris une carte graphique, la 1080, qui est un modèle cher. Enfin, pour moi, c'est extrêmement cher. Et que je peux toujours pas profiter de mon PC et qu'il va y avoir la Titan X qui va sortir. Donc j'ai le temps qu'il y ait une carte graphique qui sorte, je l'achète au moment de sa sortie, et avant que mon PC fonctionne, il y a un nouveau modèle qui sort. Je trouve ça totalement hallucinant. Et ils sont très très cool à LDLC, hein. Ils sont dépités pour moi, hein. Mais ils savent pas quoi faire parce que ça marche quand ils sont chez eux. Et le truc qui est bien, c'est que mon pote de LDLC est venu chez moi. Et il a vu qu'il a bidouillé, ça fonctionnait, qu'il a été faire 2-3 trucs, et quand il revenait, ça fonctionnait plus. Donc il a vu qu'il y a des soucis. Et il les explique pas. Et même moi je suis dans le hardware depuis des années, j'ai monté je sais pas combien de PC, je n'ai pas d'explication. J'ai zéro explication à ce qui se passe. Ça en deviendrait presque un sketch. Mais moi, ça me fait rire maintenant quand il y a un nouveau truc. Moi, quand il m'arrive un truc, j'envoie un message à des potes qui connaissent l'histoire et je leur dis « Tiens, tu veux que je te fasse une blague ?» Là, je viens d'acheter ça et ça marche pas. Voilà, c'est... non, mais c'est rigolo. C'est rigolo. Crène, le problème du sac de Carmack, c'est que la caméra tremble beaucoup. Ah oui, moi, j'ai l'avantage, c'est que ma caméra tremble pas. Donc c'est vrai qu'il faudra que je regarde son live parce que voilà. Tu as testé derrière l'UPS? Non mais je suis un UPS, tu veux dire un... Tu peux pas te faire rembourser? Bah non, moi je veux pas me faire rembourser, je veux un PC qui fonctionne. Le PC sur lequel je suis a des gros soucis. Donc on joue à des jeux où ça passe bien. On joue à Pokémon Go parce qu'il n'y a pas de jeu directement, je joue à Pokémon TCGO. Mais à chaque tournage d'aventure, j'ai des plantages sur les enregistrements, j'ai tout ça. Non, c'est la... Je galère de folie. Je galère de folie. Alors que je devrais pas. Là j'ai investi des sommes indécentes dans des ordinateurs. Je devrais pas galérer. Oui, je suis relié à la Terre, il n'y a pas de surtension, j'ai un onduleur, j'ai tout ce que tu veux. Envoie la 1080, je vais lui faire sa fête. Chance level 0, c'est ça. Non, mais ils sont hyper cool. Ils sont hyper cool à LDLC, mais au bout d'un moment, ils vont renvoyer constructeurs, ils vont changer des pièces, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ça, moi, là encore, de retourner à LDLC, ça veut dire prendre les PC. Déjà c'est extrêmement lourd. La tour, elle fait 24 kilos. C'est une tour lourde. J'ai un petit escalier en colimaçon. On galère. Tout seul, à bout de bras, j'y arrive pas. Maudit, elle mène, mais c'est traité 2-3 heures dans une journée. Actuellement, j'ai pas 2-3 heures dans mes journées. Je peux pas me permettre de perdre autant de temps. Et derrière, ça veut dire que s'ils doivent recommander des pièces, que je vais devoir attendre une semaine, deux semaines, peut-être plus si c'est des retours constructeurs. C'est pas ça quand c'est pas ça que t'attends quand t'achètes du matos, quoi. Ah, rip, plus rien, rip le stream. Non mais voilà quoi. Moi j'ai pas de drop, hein, donc je sais pas ce que c'est. J'ai pas de drop moi donc. Le son est revenu mais pas l'image. Bon moi j'ai zéro drop donc voilà. F5 apparemment. Ton PC veut pas qu'on sache la vérité.
C'est incroyable que tu arrives à rester de bonne humeur. Non, mais j'étais. En vrai, avant de lancer le live, j'avais pas le moral, j'étais limite au bord des larmes, quoi. C'est parce qu'au bout d'un moment, tu te dis. C'est pas de la tristesse, attention, hein, c'est de la rage. C'est de la rage. C'est vraiment de la rage. C'est vraiment de la rage intérieure. Voilà, je me suis dit, je lance pas le live. Mais vous me dites comment je garde le sourire. Bah, c'est ça, je lance le live et ça me rend heureux. C'est simple. C'est simple. Trouve un pote pour t'aider, c'est pas la mort de monter config un PC. Non mais je monte et je config des PC depuis des années. C'est moi qui ai fait les PC du JDG, c'est moi qui ai fait les PC quasiment de toute la guilde où on était. Donc non. Tu as pris quoi comme boîtier pour 24 kilos? C'est un Antec S10. Antec S10. Et AirGame, AirGame qui rejoint la Blue Family, bienvenue à toi. Bienvenue dans cette communauté dindons qui reste là malgré toutes les galères. Merci beaucoup à toi, les bisous et bim. Et bim, le resub. Attends, le site fonctionne. Et on a eu Oignon. Donc tu es le chevalier de l'oignon. Voilà, Onion Knight, ce sera toi, AirGrim. AirGrim, GG à toi, merci beaucoup, c'est la classe. Et Troc Production, il a ça, on l'a déjà eu. Alors, il a Arachide. C'est Arachide parce que l'huile d'arachide. Parce que j'ai pas d'explication. Ah mais en plus, faut que je trouve des explications normalement. Arachide. Ton mot à toi, c'est arachide. Je sais pas, Troc Production. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que cacahuète. Voilà, parce que j'aime bien les cacahuètes et les dindons sont des mangeurs de cacahuètes. Et qu'il n'y a pas que l'huile d'olive dans la vie. Non, je sais pas. Viens me faire un câlin, Crane. Non, puis je passe les écrans que je viens d'acheter et il y en a qui sautent et que je vais peut-être devoir faire un échange. Une carte son qu'a grillé, deux cartes son quand même en un an qu'on grillait. Non, mais voilà. Pourquoi moi, c'est ça. Oui, vous me rendez heureux. Ah, vous êtes mignon, vous êtes mignon, vous êtes adorable. Mais là, je suis quand même déçu parce que je voulais vraiment vous emmener à la Gamescom ou des trucs comme ça. C'était vraiment des trucs que je voulais faire. Non, mais voilà, c'est gentil, Pandaman. Je vois tes messages, mais je vais pas lire tout fort des messages comme ça. Mais c'est très mignon, merci. C'est déjà arrivé, un live Ukraine ne se plaignait pas de quelque chose. Bah, non. Après, je sais pas, moi, je trouve que c'est un peu facile après de me reprocher de me plaindre. Ce qui fait la force du live, c'est que je suis honnête avec vous et que je vous dis un peu tout. Donc, toutes les choses bien, je les partage. Mais pourquoi... Et je sais que je devrais pas le faire. Et c'est des discussions même que j'avais des gens autour de moi. Normalement, il faudrait que je vous partage les choses bien et que je garde pour moi les choses qui vont pas bien. Parce que c'est du gaming, c'est de l'entertainment. Donc, logiquement, je devrais toujours être dans le positif. Mais même dans le négatif, je me trouve positif. Donc, finalement, si j'ai envie de fonctionner comme ça, si j'ai envie de me plaindre sur des trucs à des moments, bah, je me plaindrai. Si ça fait fuir des gens, j'en suis désolé, mais j'ai envie de rester moi. Et voilà. Et s'il y a une conclusion qu'il faut garder, je pense que c'est pas que Crane se plaint. Mais je pense que c'est plutôt que Crane continue d'avancer malgré tout ce qui lui arrive et du coup continuez même si vous avez des trucs en travers de votre route, vous arrêtez pas, continuez d'avancer, vous laissez pas submerger par les galères, sinon vous arriverez à rien et vous vivrez encore plus mal le truc. Et Nero X-Born qui rejoint la Blue Family, bienvenue à toi, bienvenue dans cette communauté dindons qui se plaint mais qui assume. Voilà, des bisous et bim le sub. Et un mot pour toi, ce mot magnifique, c'est le suivant. Ça y est, le site ne fonctionne plus. Et nous avons Liam le Fou. Non mais voilà, il y a plein de gens qui s'abonnent du coup. Et Liam le Fou qui rejoint également la Blue Family, le site ne fonctionne plus. Mon internet net en PLS. Merci beaucoup à tous les deux, des bisous et bim les deux subs de Nero X-Born, de Liam le Fou. Merci beaucoup, vous êtes adorables, merci beaucoup. Ça fait combien de temps que tu connais JDG Crane? Ça va faire une dizaine d'années, je pense. Je le croise depuis plus de 10 ans, mais on se connaît depuis 8-10 ans. Ah si, ça y est, j'ai les mots. Non, ça ne fonctionne pas. Il a chargé une page. Ah si, c'est bon, ça revient. Ok, c'est bon. Je crois que ça, on a déjà eu. Alors, trouver un mot qu'on n'a pas eu. Sentier. Alors, ce sera pour Nero X-Burn. Et oui, Nero X-Burn, sentier, parce que le dindon aime bien sortir des sentiers battus et ne recule devant rien, comme je viens de vous le dire. Voilà, des bisous et bim. Merci beaucoup. Et ton mot à toi, Liam le Fou, c'est... Ah, je crois qu'on l'a déjà eu, celui-là. C'est lanterne. Lanterne, parce qu'on aime bien éclairer les lanternes des autres. Bah oui, c'est important de bien comprendre et surtout d'expliquer quand les gens ne comprennent pas, bien évidemment. Voilà, des bisous et bim. Et bim, merci beaucoup. Non, je vais pas à la Gamescom, mais je pensais y aller, donc je sais pas. Encore, je sais pas. En fait, j'en avais parlé vite fait avec Atto. Il est quand même une heure passée, on est encore là, je vois ça. Vous êtes fabuleux.
Benza, il parle de mecs qui ont tranché leur cousine dans un congélateur dans une forêt au sommet de la tour Eiffel. Alors ça va, tu peux te plaindre, mon gros. Ken, ça fait vraiment vachement fuir. T'as 1200 viewers à 1h du mat. Bref, cadal, quoi, c'est ça. On aime ton stream parce que tu es naturel, Ken, pour le bien ou pour le mal qui peut t'arriver. Oui, mais j'aimerais bien vous partager plein de bonnes choses. J'aimerais bien avoir que des bonnes nouvelles à vous annoncer. 7 mois de sub et surtout un an que je regarde quotidiennement le live. Merci Crane, merci Modi, merci Lugulu et les modos. Merci à toi Nicolas, c'est très gentil. Alors il y a quelqu'un qui m'a proposé un échange. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet échange? Off que l'on m'a faite. Ah là là, tout plein des boosters. Mais 8 boosters. Et qui c'est? C'est Nico Panda. C'est Nicolas, ça Nico Poudin. Panda, merci beaucoup, c'est très très gentil. J'ai plein de boosters à ouvrir. Acceptez l'offre. Merci beaucoup, c'est adorable de ta part. J'ai plein de boosters à ouvrir. Tu es vraiment quelqu'un de touchant et de vrai, et je trouve que c'est une qualité de plus en plus rare de nos jours. Tu arrives à réunir tant de personnes et tu restes humble et simple. Et pour ça, merci. Bah, c'est pour ça, quand des gens disent que je suis condescendant, je le vis un peu mal. Mais je sais, j'ai des défauts aussi, et plein. Et je sais, surtout dans le boulot, je suis assez... Et des fois, même quand je parle à Maudit ou autre, je suis sec. Mais je suis dur et ça peut paraître un peu condescendant, mais je le suis vraiment pas. Mais je suis encore pire avec moi-même intérieurement. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse attention des fois comment je parle. De ce que tu veux nous dire, Ken, c'est aussi ça le charme d'un vrai live partage. Je fais un Pokédex version streamer youtubeur, tu veux être de quel type? Alors moi, tous mes starters dans les jeux Pokémon, pour l'instant, je prends feu. Mais c'est vrai que c'est le type psy qui m'éclate le plus. Donc je dirais plutôt psy. Je devais dormir, puis j'ai vu live, Crane live, et j'ai craqué. Bonne nuit, Rémi Sylvain. Le fait que tu aies des problèmes et que tu les partages nous fait nous sentir plus proches de toi. Et puis on a tous des problèmes dans la vie. Et je pense que savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes et qui se laissent pas abattre malgré ces problèmes, bah j'espère que c'est encourageant pour vous aussi. Ton redémarrage de somme m'a fait sortir de mon développement de site. Ah là là, coucou vidéo j'ai vu. Vendredi live Pokémon, bah je sais pas. Hein. Je sais pas parce que je pense que je vais devoir aller consulter pour ça. Donc je sais pas du tout. Voilà, au pire ce sera Maudit qui ira chasser. D'accord. T'es découvert sur Dark Souls 3 parce que je me faisais chier et je reste. Et je suis fan parce que tu es humain, tu nous montres l'envers du décor et pas juste un entertainment. On t'aime fort, putain, c'est mignon. Crée une pas de sub, pas de live. De quoi? J'ai pas compris. Ok. Tu es un condescendant, c'est ça. Mais j'ai des dents. Crée une lobe sec et dur, tendancieux, tout ça. Crane, t'es pas condescendant. Bah, il y a plusieurs personnes qui le disent, donc c'est que je dois avoir un côté dans ma façon de m'exprimer. Ah, vous, Crane, tu veux juste de l'argent. Exactement. Je veux me baigner dans l'argent. Tu m'as percé à jour. T'es plus con ou plus descendant? Moi, je suis plutôt con, hein, surtout. Enfin, quelqu'un me répond. Et t'inquiète, je ferai de mon mieux pour bien te dessiner. C'est gentil. Arrête le Pokémon Go pour le moment pour te soigner. Bah ouais, mais je m'éclate bien, j'aime bien le truc que ça. Je puis même rencontrer les gens dans la rue, tout ça, je trouve ça cool. C'est le comble, hein, pour un gamer comme moi qui reste enfermé chez lui tout le temps. Depuis février, je te soutiens, Crane, garde le sourire pour moi, tu es un membre de notre famille de nanons plein d'espoir. Merci Quentin, c'est adorable. J'espère que tu n'auras rien de grave. J'espère aussi, hein, parce que je vous le dis clairement, j'ai pas envie d'avoir des trucs graves. Bon, Crane, juste évite de mourir d'aventure, ce serait dommage. Mais j'aimerais bien aussi éviter. Voilà. Et voilà, je suis potentiellement au bord de la mort actuellement dans l'aventure, mais je vous en dirai pas plus. Pourquoi avoir choisi le pseudo Crane? Je sais pas, parce que ça sonnait bien. Il n'y a pas de référence. J'ai appris bien plus tard qu'il y avait un esclavagiste dans Star Wars qui s'appelle Crane, un pirate. Et du coup, c'est pas hyper sexy comme profession. Mais non, ça vient pas du tout de là. Quand tu auras tous les Pokémon, très bientôt, tu vas arrêter d'y jouer. Bon, c'est pas très bientôt. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour les derniers. Ton top 5 des choses à faire quand on est chauve. Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est la phrase à laquelle je m'attendais pas ce soir. Ton top 5 des choses à faire quand on est chauve. Exactement, Zastaru. Toi, t'as été faire un tour sur Doctissimo. J'ai pas envie d'avoir des trucs graves. La philosophie de Crane, en grâce 2016, c'est ça. Namekren Live, tu t'éclates, c'est bien, mais va pas t'éclater la santé non plus, alors tu vas consulter et plus vite que ça dans. Crane de l'espace, esclavagiste de dindon. Mais non, c'est totalement à l'encontre de ma philosophie.
Alors, je comprends pas ce que tu veux dire, Goa. T'as pas des dons, t'as pas des follow, des abonnements, comment t'as tout grillé? Désolé, moi je découvre Twitch, là t'as 2000 personnes qui financent et tu dis ça marche pas, pourquoi? Alors t'es sub de la chaîne, donc j'imagine que c'est pas un troll ou un message désagréable. Mais je comprends pas ta question, peut-être que tu répondais à quelqu'un d'autre. Tu as déjà joué à Titan Quest? Si oui, tu as aimé? Non, mais j'ai beaucoup regardé un pote jouer à Titan Quest. C'était avant, je me suis mis très tard au hack and slash. Le hack and slash est un genre de jeu que j'affectionne énormément. J'ai fait beaucoup de Diablo 3, hein, malheureusement j'ai connu tard, beaucoup de Pass of Exile qui pour moi est un des meilleurs hack and slash à l'heure actuelle, et de Marvel Heroes qui est un MMO hack and slash. Voilà, c'est le genre de jeu que j'ai énormément campé. Mais quand je dis énormément campé, c'est que sur Marvel Heroes j'ai 500 ou 1000 ou 1500 heures de jeu, je sais pas du tout. Diablo 3 j'ai beaucoup d'heures de jeu, Pass of Exile j'ai des centaines d'heures de jeu aussi, mais Titan Quest c'est un peu l'ancêtre. C'est pas l'ancêtre dans le sens, c'est pas le hack and slash le plus vieux, mais c'est quand même une très grande référence du hack and slash que j'ai pas connu, mais j'ai regardé des potes y jouaient à l'époque. C'était à l'époque où je m'y étais pas encore mis. Moi je trouve ça marrant que Crane fasse Nyark à l'envers. C'était pas volontaire et je l'ai découvert en jouant sur Warhammer Online, et quand j'ai créé un gobelin je me suis dit mais Crane à l'envers ça fait Nyark, c'est un nom de gobelin, c'est parfait, Nyark Nyark. Voilà. Non, je vais pas tuer Bob. Et je pense que c'est ça Capsolem, donc je pense que c'est ça. Mais par contre, oui, je pense que c'est ça. Quelle est ta si mauvaise nouvelle? Je suis arrivé il y a peu. Non, c'est juste avant le live, on m'a refusé le partenariat. Et derrière, on m'a refusé de me vendre un abonnement, quoi. C'est le truc de... Ah, mais il y a encore quelqu'un qui me propose un échange. Que se passe-t-il? Non, non, ça c'était le... Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vais lui répondre. Alors pourquoi tu veux me donner des doubles énergies dragon? Parce que j'en ai déjà deux. Cette carte ne peut être attachée qu'à un Pokémon dragon. Cette carte fournit n'importe quel type d'énergie, mais ne fournit que deux énergies à la fois, uniquement pendant qu'elle est attachée. Oh, c'est bien, CPGM n'empêche. Hein. CPGM n'empêche. Alors j'en ai deux, mais pas échangeables. Donc c'est très gentil. Astras, je vais te les prendre quand même parce que je vais potentiellement les utiliser dans un deck, donc j'imagine que tu n'en as pas besoin. Voilà, ça fait des petites énergies spéciales dragon. Merci beaucoup. On peut voir le jeu? Oui, je peux switcher sur le jeu. Hop, et du coup, je vais remettre à jour le sub-goal. Hop.